Bonjour mes amis, c'est Servi. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve sur notre jeu et notre maison de Messie, qui est une chère patrie autre de France. Dans le dernier épisode, nous avons eu trois filles, des filles. On a perdu malheureusement notre seul fils, Guillaume V de Normandie, qui était devenu duc de Normandie. Il est mort de la peste et on se retrouve sans enfant. Allez. Donc du coup, de changer la loi. J'en ai marre. Voilà. Vous m'excusez. J'espère bien que vous m'excusez. Sinon, on va reprendre doucement notre. D'abord, on va faire vœu de pénitence. Tu veux bien, s'il te plaît. Et vœu de chasteté. Et notre épouse, j'ai bien entendu, n'est pas enceinte. Je pense que tu vas bientôt. Reine Béatrice de France, est-ce que tu peux si tu veux, ça te fait plaisir. Sauf que je vais pas participer à ta guerre, parce que sinon ça va encore me faire des gens. Ouais, bon. Religieux. Enceinte. Chouette. Maréchal courtisan de France, peut-être. J'ai accepté votre demande de candidature à l'évêché. Mais vous m'énervez. Sur d'anciennes volumes et rouleaux à la recherche d'informations complémentaires
sur l'interfacte supposée. Il déclare être sur la bonne voie, mais apparemment la progression est lente. Il vous demande d'ordonner aux meilleurs érudits de France de l'aider. Ouais, si tu veux. Demander une revendication, demander de l'argent, demander le divorce, demander... de Sarlene en Écosse. Ce serait qui? Qu'est-ce que c'est? Descendons du Saint-Élie de Messine. Eh oui. Eh oui, oui, oui. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite fortement à aller la voir. Une petite notification I s'affichera en haut à droite. Donc, ce sera Élie 2 de Messine, je pense. Donc, déjà, on va te marier. Alors, un truc qui soit quand même pas mal. Alors, par contre, en âge, sans de papoté, une italienne. Pourquoi pas? Voilà. Pour protéger de lance, il y a une bonne discrétion, en permettant de vous entraîner au combat. Peut-être pourriez-vous organiser cela à la cour. Allons-y. C'est malheureux. Comment fuir c'est un peu tôt. Pour preuve, cette lance envoyée alors que quelqu'un était dans le champ à mesurer la distance d'un jet précédent. Mutilation et blessure grave. D'accord. Oh.
peur. Dire qu'il a tout seul, Coco. Bon, ça, il serait d'accord pour l'indépendance. On reste, on va rester gentil. Oh. Je vais arrêter. Que ma fille qui est mariée, qui est fiancée précisément au roi de Jérusalem, ah si, oh. Guéri. Chouette, chouette, chouette. Et regardez un peu plus près. Regardez un peu plus près. Notre royaume, mais alors, il est dans il est marcelé, c'est incroyable. On a ici, on a là, et on a là. Donc, Jérusalem, c'est
tour. Mujahideen. Allez. Oui. Fait semblant, dis donc. Ouais. Ah ouais. Il y va. Hein. Alors. Alors oui. Voyons voir si la peste est barrée. La peste est barrée, il y a par contre il y a de la variole un peu partout. Ouvrir les portes. Ouvrir les portes. Assuré de sa compétence, bien que je me demande combien d'argent j'ai dépensé pour un ensemble de jeux de la commande. Je n'ai pas le droit de
décédé. Cela profite très grandement à mon développement spirituel si je découvrais l'essence même du texte. Mais qu'à ce stade, il serait peut-être préférable de demander à mon chapelain. Demande pour toi-même. Donc, c'est l'empereur Ardwurf II de Grande-Bretagne. Quand je me dirige vers la forge du maître Amaury, je n'entends pas le bruit du forgeron à l'œuvre. Mais des personnes parlent. Je trouve Amaury et ma fille, princesse Alice, en train de discuter de différents métaux et de leur composition. Tout ce qu'on me donne une tournée et a clairement stoppé la progression de ce que j'ai demandé. Voilà. Quand même. Ah bah tiens. Il a enfermé son épouse. D'accord. Il part par jour, lui. C'est pour tuer.
du coup. Là, déjà. Ça y est. On va engager des mercenaires. Bon, voilà la première guerre. Intéressante. Alors, Touk. Parfait. Allez, regroupez-vous. Moi, je vous attends. Ah, bon. Allez-y, c'est parti. On va manger du révolté. C'est pas tranquille avec votre duché de mer. Oh. Bernard. Ça se passe comment? Non, parce que très honnêtement, sans pouvoir manquer de respect, mais ah oui, sans vouloir vous manquer de respect, vous êtes en guerre. Dévoré. Et dépêcher là, s'il te plaît. Voilà. Petit d'ailleurs djihadiste, c'est pathétique. Voilà. Groupe. Oh. Allez. Bon. J'aimerais bien capturer quelqu'un, voilà. Après, supériorité. Voilà, non, je n'acquiesce pas du tout. Non, je... tu veux te marier avec... Ouais, vas-y, si tu veux. Vernier.
Allez. Avec une plume. Voilà. Duc élite 2 de Normandie. Et oui. Et c'est bon. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications pour recevoir toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Mettre un like de feu et à commenter, ça permet à mes vidéos et à ma chaîne d'évoluer et d'être référencées sur YouTube. Partager sur vos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Twitter. Si vous désirez me suivre sur Facebook ou Twitter, les liens pour y accéder sont dans la description de chaque vidéo. Je vous remercie mes amis d'être fidèles à ma chaîne, de suivre l'évolution. Et merci. La semaine prochaine, il va y avoir du Sims 4. Notre famille. Il va y avoir, je pense, peut-être en bonus, je vous ferai une vidéo sur Sims 2. Alors comme je l'ai dit, je crois dans une vidéo, que je voulais faire une série sur le Rhône Total War, où nous ferons des campagnes à coup. Je n'ai pas oublié, et je vous garantis que ça se fera. Je vous dirai ça en temps et en heure. Je vous remercie mes amis. Je vous dis passez un agréable profitez bien. Et je vous fais des gros bisous. Et King Hugo pour vous servir. À la semaine prochaine tout le monde. Bye.